Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le travail de notre rapporteur, qui s'inscrit dans les pas de nombreux collègues qui ont longtemps travaillé sur ce sujet. Je pense à Jean-Baptiste Moreau, je pense à Grégory Besson-Moreau, je pense à Thierry Benoît, à Richard Ramos, à Nicole Lepée et bien d'autres encore. Saluer le travail des commissaires de la Commission des Affaires Échos. La semaine dernière, il n'y a pas eu une seule voix contre cette proposition de loi. Et il n'y a pas eu une seule voix contre l'article 3. Et c'est pour ça que je suis extrêmement surpris de découvrir lundi soir une motion de rejet préalable de cette proposition de loi émanant du Rassemblement national, alors qu'aucun des 11 députés du Rassemblement national n'a jamais voté contre cette PPL la semaine dernière, ni même voté contre l'article 3. Alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Se sont-ils fait rattraper par M. Tanguy, corriger ? Que s'est-il passé ? Est-ce un rendez-vous un lundi après-midi de deux députés de votre groupe avec Michel-Édouard Leclerc qui vous a convaincu de déposer cette motion de rejet ? Je m'interroge. Je m'interroge. Je m'interroge et en même temps, chers collègues. Pardon, pardon, Monsieur le Président. Qu'est-ce que j'aimerais que Madame Janvier, vous ne mettiez pas en cause la présidence. Là, vous n'êtes pas en train de mettre en cause pas la présidence. Pas du tout. Je parlais de deux députés. Alors, s'il vous plaît, on continue dans le calme. Je voilà. Je vais parler de deux députés. C'est mieux ainsi. Pour l'Assemblée nationale. Vous avez le droit de voir qui vous le souhaitez, et vous avez eu beaucoup de chance parce que. Malheureusement, le rapporteur de notre commission a tenté de voir Michel-Édouard Leclerc sur le sujet, mais M. Leclerc a décliné le rendez-vous qui lui était proposé et a refusé de voir notre propre rapporteur sur le sujet. Et donc, je tenais à dire que les députés de notre groupe, les députés de notre majorité et les députés au-delà de notre majorité n'ont pas eu peur. N'ont pas eu peur de la campagne de communication qui a été payée par certains dans la PQR ce week-end, et qui aurait probablement mieux fait d'utiliser cet argent pour mieux rémunérer les agriculteurs et mieux rémunérer l'industrie agroalimentaire dans notre pays. Et il y a dans cet hémicycle ceux qui résistent aux pressions politiques, ceux qui résistent aux pages entières de publicité dans la PQR et ceux qui visiblement s'affolent et d'une semaine à l'autre changent d'avis radicalement sur une proposition de loi qui leur est proposée. Et je tiens par là à saluer la solidité de tous les parlementaires qui ont voté cette proposition et qui, je suis sûr, vont rejeter cette proposition de motion de rejet préalable. Saluer la solidité de la présidente Aurore Berger, qui le rappelait très bien d'ailleurs ce week-end. Il y a dans notre pays 400 000 agriculteurs, 17 000 industriels et 4 centrales d'achat, dont certaines ont décidé de délocaliser et de se mettre à l'étranger pour contourner le droit français. Qui a le pouvoir ? De quel côté penche la balance ? Je crois que vous avez la réponse à cette question et c'est pour ça que nous devons examiner cette proposition de loi et je vous appelle à rejeter cette motion de rejet préalable. Merci, Monsieur le Président. Nous avons donc maintenant des orateurs pour